Allô, vous m'entendez? Oui, on vous entend, docteur. Madame? Vous m'entendez? On peut continuer? Oui. Alors, en extension, c'est un peu le contraire de ce qui s'est passé lors de la flexion, sauf que les lésions, comme on le voit ici, sont très, très graves. Parfois, il y a un arrachement de la moelle par rapport aux racines vertébrales, choses qui sont beaucoup plus protégées lors de la flexion. Et là, vous pouvez avoir des lésions irréversibles à ce niveau. Donc, il y a des fractures luxations biarticulaires. Non, je crois que je vais revenir un peu en arrière. Voilà. Les entorses graves. Après, vous avez en troisième position les luxations biarticulaires. Vous savez qu'entre chaque vertèbre, il y a deux articulaires, une à droite et une à gauche. Elles peuvent être luxées, hein, et accrochées. Et ces luxations biarticulaires sont souvent très graves puisqu'il y a un déplacement global et elles ne sont pas réductibles, sauf s'il y a une association d'une fracture. Hein, de ces articulaires, du massif des articulaires. Il y a en flexion, la moelle, vous l'avez pratiquement, elle se met à cheval sur le corps vertébral inférieur. Alors, le traitement, il est simple, il est difficile aussi. Lorsque vous avez une luxation, vous ne pouvez pas le manipuler, donc vous êtes obligé de faire la distraction. Et cette distraction, vous ne pouvez la faire qu'avec un matériel spécifique que vous implantez dans la corticale du crâne, hein, la partie périphérique, hein, et vous tirez progressivement, bien sûr, sur le contrôle scopique. Sous la scopie, et vous allez réduire progressivement, et après vous faites une chirurgie identique que dans les entorses graves. Je vais passer un peu rapidement parce que là, le temps se termine. Les traumatismes en rotation, la différence avec les traumatismes en flexion-extension, ça va tourner autour de C1 et C2. J'ai dit tout à l'heure que de haut en bas, là, cette rotation est équilibrée, elle va de plus en plus en diminuant, hein. Mais si vous avez un excès de rotation, vous pouvez casser au niveau d'une articulaire au niveau du massif de l'articulaire, hein. Donc vous avez trois types de lésions. Une fracture d'un massif, d'une seule articulaire. C'est assez bénin. Ou du massif articulaire. Les articulaires sont en place et c'est la partie qui suspend le massif qui est fracturée. Et vous arrivez à une luxation complète du massif des articulaires. Alors vous avez ici sur la radiographie souvent ce qu'on appelle la partie inférieure qui est de profil et la partie supérieure qui est plus ou moins entre deux trois quarts. Vous avez chez ce patient, vous voyez la fracture, elle est là, dans cette image 3D. Si la fracture, elle est là, vous avez l'articulaire supérieur intègre, inférieur intègre, et ici, cette articulaire, elle est cassée.
Dans l'éducation unilatérale, c'est les manipulations aussi qui vous permettent de réduire cette articulaire, mais c'est très, très difficile. Souvent, on est obligé d'aller la réduire par une manœuvre chirurgicale. Et c'est là uniquement où on est, à mon avis, en droit d'aller opérer par voie postérieure, puisque les articulaires sont en arrière et elles sont accessibles par voie postérieure. Voilà pour l'anatomie pathologique. Le traitement, pour nous, il est simple en réalité. Globalement, s'il n'y a pas d'instabilité, on peut faire un traitement orthopédique s'il n'y a pas de trouble neurologique. S'il y a une instabilité du rachis, on est obligé de faire un traitement chirurgical. Et s'il y a des troubles neurologiques, comme on va envoyer le malade à la rééducation, mieux vaut stabiliser le rachis de façon chirurgicale. Donc, s'il n'y a pas de troubles neurologiques et s'il n'y a pas d'instabilité, on peut se permettre de faire un traitement orthopédique. S'il y a une instabilité, on est obligé, même s'il n'y a pas de troubles neurologiques, d'aller opérer. Et s'il y a des troubles neurologiques avec une instabilité qui est minime ou qui n'existe pas, on est obligé de faire un traitement chirurgical pour permettre la rééducation des patients. Voilà. Alors pour C1, C2, c'est la première vertèbre qui est importante. Souvent, elle est complètement disloquée et on la trouve sur le scanner. Vous voyez sur le scanner cérébral, hein, vous demandez chez ces patients toujours une radiographie. Vous avez la vertèbre qui est horizontale et vous avez un angle. Normalement, entre le mandibule et la vertèbre, vous avez un angle de 90 degrés. Ici, vous avez une dislocation C1, C2, cela veut dire qu'au-dessous de C1, il y a une rotation par rapport à la partie supérieure. Pour l'atlas laxis, souvent, s'il y a une instabilité, on va faire une greffe postérieure, hein, en mettant un greffon entre C1 et C2. Pour les autres fractures, théoriquement, la fracture à 4 fragments ou dite de Jefferson, c'est une fracture sans trouble neurologique. Pourquoi? Parce que le canal médulaire est souvent rouvert et souvent, on fait une chirurgie uniquement pour stabiliser. Alors, la fracture la plus classique que vous trouverez sur votre chemin, c'est la fracture de l'odontoïde. Voilà, c'est terminé. 19. Vous êtes là, Fadoto? Oui, docteur, on est là. Même pour la conclusion entre C1 et C2, je n'ai plus l'image. Vous avez l'image? La fracture, vous avez l'image? Non. Non. On est en train de partager. Maintenant, si. Si. C1, C2, c'est la fracture de l'odontoïde de C2 qui est la plus fréquente. C'est la même chose pour tout le rachis. Cette fracture, elle consolide si elle n'est pas associée à des lésions ligamentaires. Ici, vous voyez une lésion ligamentaire assez importante puisque il y a un déplacement important en intérieur de C1 par rapport à C2. Et là, on est obligé de faire un geste chirurgical pour stabiliser. Donc, le principe est le même pour tout. S'il n'y a pas de lésions ligamentaires, même s'il y a des lésions osseuses, s'il n'y a pas de troubles neurologiques, on fait un traitement orthopédique. S'il y a des lésions ligamentaires, on fait un traitement chirurgical, même s'il n'y a pas de troubles neurologiques. S'il y a des troubles neurologiques, même si le rachis est stable, on fait un traitement chirurgical pour permettre la rééducation des troubles neurologiques. Voilà. Les fractures de C1, vous avez le pôle, la partie moyenne et la partie basse. Vous avez des fractures par oblique en bas et en avant, au bas veux, oblique en bas et en arrière, au bas re. Donc c'est en fonction de l'accident. Le traitement, ici, le scanner, vous faites un scanner pour mieux voir ces fractures. Et
Le geste le plus chirurgical, il est facile, hein, c'est par voie postérieure. Ici, vous avez le déplacement en avant. Par voie postérieure, on fait une greffe entre C1 et C2. Je vais vous montrer un exemple pour aller un peu vite. Bon, ici, un traitement orthopédique. S'il n'y a pas de truc, il peut consolider. Voici, c'est une greffe entre C1 et C2 qu'on maintient avec du fil. Donc, on fixe C1 et C2 et on met un greffon entre les deux. Donc, c'est un geste qui est facile. Vous voyez ici l'épineuse de C1 et C2 qui ont été fixées grâce à un greffon. Donc, vous avez ce rachis qui était comme ça et qui est devenu stable. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Est-ce qu'il y a une ou deux questions, éventuellement? Je ne vois pas vos noms. Vous m'entendez? Oui, docteur, on vous entend. Voici, ici, je vous montre la chirurgie qu'on va par voie postérieure avec le fil qu'on a fixé entre C1 et C2 et la greffe osseuse. Hein. Là, c'est le greffon. Voilà. Voilà. Est-ce qu'il y a une question? Donc, ce n'est pas compliqué. Devant un rachis, cherchez toujours l'instabilité. Les lésions neurologiques. On peut avoir des lésions neurologiques, cela veut dire que les dégâts sont importants. Le traitement et la prise en charge sont importants. S'il n'y a pas de troubles neurologiques, il n'y a pas d'instabilité, on peut traiter par traitement orthopédique, ça consolide. S'il y a une instabilité, les ligaments ne cicatrisent pas, on est obligé de faire un traitement chirurgical pour fixer l'étage qui est instable. S'il y a des troubles neurologiques et le rachis est stable, on est obligé de faire une chirurgie pour permettre la rééducation des troubles neurologiques. Vous avez ici une anecdote d'un patient qui a été pris en charge par un service de neurochirurgie. Hein. Il avait une lésion instable, assez importante. Et on lui a fait des radiodynamiques. Il ne fallait pas les faire. Pourquoi? Parce que ici, l'image est claire. Hein. Ils ont fait un geste chirurgical. Ils se sont trompés d'étage. Donc, ils ont fixé l'étage inférieur. Ils ont repris le patient hein, et ça n'a pas marché. En voulant prendre deux étages, ils n'ont pas réduit. Hein. Donc, il est venu après 3 mois chez nous. On a mis sous traction pour faire un peu de distraction. Et puis, on a enlevé le corps vertébral complètement et on a mis un greffon. Donc, le rachis, il est bien stable ici. Le patient marche. Mais il a des petits problèmes vasculaires. Il a une carotide, il a une rupture de l'artère vertébrale gauche. Ça lui donne des céphalées, etc. C'est un policier, donc il a été mis à la retraite d'avance. Je vous remercie. Je vous remercie. Il y a quelqu'un? Oui, merci docteur, c'était clair, au revoir. Merci, au revoir.
Je comprends pourquoi on parle de la part.